19h et tu es inexorablement là, mais tu n'as pas de vie en fait. Non, tu regardes tout en différé, c'est mal. Parce que c'est des enregistrements. Et donc, ce serait bien que tu les vois quand ils sont diffusés à 19h. Parce que voir en live un enregistrement, il n'y a rien de plus génial. Bon, ok. Aujourd'hui, on va se faire un shmup. Comment ça, je saute du coq à l'âne? Non, pas du tout. Et donc, on va se faire un shmup millésimé 1985. Parce que je suis un peu coincé en 1985. Et j'ai qu'une envie, c'est de partir. Parce que. Il y a notre ami là qui est en train de nous expliquer toutes les vertus et nobles choses qu'on pourrait accomplir en s'offrant quelques parties de Moon Cresta, non, de Terra Cresta. Et oui, c'est le nom. Et donc, je suis pas super convaincu. Parce que déjà, une nénette en tenue de gym qui me présente un shmup, niveau crédibilité, c'est. Voilà. Et Terra Cresta, j'ai le souvenir de Moon Cresta avec ses grosses roues qui bougent et qui. Quand vous avez ça en gros pixels sur un tube cathodique et que vous êtes môme, ça vous marque à vie, quoi. Moi, je peux plus regarder maintenant des gros buggy qui vont dans l'eau et tout ça parce que je pleure à chaque fois à cause de ça, à cause de Moon Cresta. Et j'aimerais pas que maintenant ça m'arrive avec les vaisseaux spatiaux à cause de Terra Cresta. Allez, on y va. Je me sens super rassuré. Est-ce que je peux avoir un petit fail de démarrage? Non, non, ça va aller. Nichibutsu. Alors, Nichibutsu, boîte très productive hein, dans les années mid-80. C'est un poil fort chez moi. Chez vous, ça doit être fort, mais c'est bien fait pour vous. Donc, je disais Nichibutsu, oui, qu'on retrouvait à peu près dans tous les tripots clandestins de la planète, mais pas que, aussi dans les bonnes salles d'arcade, puisqu'ils tapaient dans les titres. Tout ce type confondu, ils en avaient rien à foutre. Eux, ils avaient des bornes et ils étaient là. Nous, on a les bornes, faut les remplir. Allez hop. Et ils sortaient à la chaîne, titre sur titre, de daubes immondes, mais parfois, au milieu, il y avait quelques petits titres miraculeux qui se révélaient totalement jouables, voire même des petites perles. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui avec ce Terra Cresta? Nous le saurons tout de suite après le Flash Info. Le Flash Info autoroutier. Ah bon, on est content de partir en guerre, dis donc. Je pense que j'ai un tir chargé et des méga bombes. Comment ça, je suis d'un optimisme. Oui. Plutôt, oui. On va y aller franco, là. Hein. Histoire de savoir qui parle à qui, quoi. Alors, donc, il y a des dinosaures, tout va bien. Et faut péter les plateformes pour arriver à je sais pas quoi. Ah, j'ai FFF, le fameux groupe des années 90. Et j'ai libéré de quoi recomposer mon vaisseau. Oh, si quelqu'un que je connais voyait ce titre, il me dirait, mais tu sais, c'est le titre où t'as ton vaisseau, il se recompose. Non, je ne parle pas de toi, jeune piratin, mais, mais je le pense très fort. Bah oui, c'était ça. Et du coup, j'en ai perdu tous mes recompositages que j'avais pris soin et attention de rassembler autour de ma pauvre carcasse volante. On va se faire une pause pour les oreilles. Ouais, je te dis que c'est pas gagné, les gars. Et donc, bah voilà, j'ai tout reperdu. Je me retrouve à Walpé pour probablement affronter un boss qui, lui, ne connaît pas le mot pitié et sera impitoyable donc avec moi. Qu'il aura vu tous les Clint Eastwood. Bon, ça me fait chier. Elles veulent quoi ces trucs là? Non, je me barre moi. Vous êtes pas cool. J'ai même pas eu le casse des cibles et les super bombasses. Ils doivent peut-être me défoncer ma carlingue hein, au passage, à savoir. C'est quoi ces trucs de l'espace? Ouais, c'est des trucs de l'espace justement, monsieur. Et oui, détrompe-toi. Il n'y a pas que toi qui viens de l'espace. Ils m'ont bien mis une belle marave là. Là, je suis tout panique avec mon pistolet à bouchon d'espace. Et c'est piou-piou-piou, j'ai bien l'impression que ça n'impressionne personne. Alors vraiment, 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 vraiment personne au moment où je ramassais ma carlingue de secours. Et là, le jeu est assez subtil pour faire je vais le faire repartir 20 km en arrière. Il ne se rendra compte de rien, le bougre. C'est une façon assez subtile de lui soutirer encore quelques crédits et qu'il cède aux sirènes de la facilité. Des fois, je me dis, on va faire des jeux où, en fait, tu insères des crédits pour avoir l'armure ultime.
avec du jeu. Ce qui fait qu'après t'as même pas visé ou quoi que ce soit, mais tu déglingues tout du moment où t'as mis les crédits, de toute façon c'était le but, les mecs s'en foutent après. Comment ça, je suis méchant? Bah, c'est peut-être aussi le fait d'avoir streamé de manière stacanoviste plus de 300 jeux en un an. Ça a laissé des traces. Je suis mort soudainement, oui, mais l'enregistrement a dépassé les 5 minutes, donc en game over, je ne serai pas obligé de continuer. Mes engagements sont totalement remplis et satisfaits. Et c'est le sourire sur le visage que j'expose une dernière fois dans ce jeu. Yippie, comme je suis content. Alors, Terra Cresta n'est pas un mauvais shmup, c'est même un bon shmup, on va dire. Il est pile de son époque. Ceci dit, est-ce qu'il a des trucs de plus que la moyenne? Non. Est-ce qu'il a des trucs de moins que la moyenne? On pourrait en trouver, mais pas plus que ça. Donc en fait, c'est un jeu moyen, qui va donc aller dans la malle au grenier, rejoindre toutes les choses qu'on archive avec amour, mais sur lequel on n'aura pas trop envie de revenir, parce que les années ont fait leur office et la jouabilité a un petit peu morflé en même temps. Je vous laisse avec les deux séries de stream habituelles, faites votre choix, et je vous donne même un stream bonus aujourd'hui, car c'est jour de fête, et vous avez même le droit de vous abonner. Regardez-moi ce bouton, il est magique. Si, essaye. Appuie dessus, tu vois, ça fait une animation. À demain, 19h.